C'est ce jeudi 8 décembre 2022 que Netflix dévoile les trois premiers épisodes de Harry et Meghan, le documentaire tant attendu sur Meghan Markle et le prince Harry. Le duc et la duchesse de Sussex se sont confiés devant les caméras de Netflix afin de rétablir la vérité sur leur histoire d'amour. Un documentaire qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Et pour cause, beaucoup y voient une déclaration de guerre à la famille royale. On se souvient encore de leur interview explosive face à Oprah Winfrey, au cours de laquelle ils n'avaient pas hésité à porter de lourdes accusations contre des membres de la famille royale. Le prince Harry et Meghan Markle balancent sur leurs fiançailles dans Harry et Meghan, les deux tourtereaux ont fait de nouvelles révélations choc. Notamment sur leurs fiançailles. En 2018, Meghan Markle et le prince Harry annonçaient leurs fiançailles devant les caméras du monde entier. Une séquence qui a été orchestrée comme une télé-réalité, selon la jeune femme. Cela a été répété, révèle la femme du prince Harry, qui affirme ne pas avoir eu son mot à dire. En effet, Meghan Markle explique, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas été autorisés à raconter notre histoire parce qu'ils ne voulaient pas. Un point de vue partagé par le prince Harry. Nous n'avons jamais été autorisés à raconter notre histoire, a-t-il confié pour sa part. Ce à quoi son épouse a tenu à préciser, c'était vrai. Jusqu'à maintenant, Meghan Markle et le prince Harry @Dr. Les Sussex prêts à tout balancer? Une petite phrase qui en dit long. Désormais, le prince Harry et Meghan Markle ne se tairont pas. Quitte à se mettre à dos une bonne fois pour toute la famille royale? Pas sûr que Charles III et ses proches apprécient de les voir ainsi laver leur linge sale en public. Ce documentaire aura-t-il des conséquences pour les deux tourtereaux ?